Oh, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Darkest Dungeon. Rien que pour vous, et voyez, oh là là, mais regardez-moi ces professionnels de niveau 3. Ils sont là, ils sont présents, ils sont prêts, rien que pour souffrir, juste pour vous, et ça c'est beau. Et on va tout de suite embarquer et je vais vous présenter ma nouvelle équipe. Alors, nous avons donc un petit vétéran lépreux. Du coup, j'ai fait comme vous m'aviez conseillé, comme je voulais aussi. C'était supprimer tous les malus, enfin, pour presque tous, sauf pour Bernière, parce que bon, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de niaiser. Et du coup, nous avons donc C4 Nigo prêt à entrer dans le donjon pour défaire un mal obscur. Et donc leurs capacités sont toutes EP, leur équipement pareil, leurs compétences de campement c'est bon aussi. Et cette fois on va s'attaquer à un niveau vétéran pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Et on va souffrir. Eh ouais mon con, ça va pas être beau. Alors, vu que je connais pas du tout les vétérans, on va prendre 2 x 8 torches. Je pense que ça va. Quoique, on va prendre 10. 8, 10, 18. On va en prendre 18, 20. Allez, 20. Va pour 20. Pour le manger, on va prendre 12. 12. On va prendre 20 aussi de bouffe, comme ça c'est bon. On va prendre 2 clés, 3 pelles, 4 bandages, 4 herbes médicinales. Deux antidotes, pas d'eau bénite. Juste, on en a un de base à cause du je sais pas qui, mais on va partir comme ça. Attention, je ne sais pas ce que je fais. Nous allons dans The World. Je sais pas comment on le dit, mais c'est pas grave. Ah, mais le vétéran, il paraît que c'est assez insane. Alors, autrefois, je connaissais tous ces chemins. Ils sont désormais aussi pervertis que mes ambitions. Alors, direct, sans pression, on commence à repérer un petit peu, du coup, un combat. Alors, on doit explorer 90% des pièces, hein. Du coup, on va faire notre petit bonhomme de chemin, ça va être bien. On va commencer tout de suite pour aller, pour pas entrer par le premier couloir. Et hop, direct, 250 pièces d'or, ça c'est bon. Et on a notre premier combat vétéran juste en face. Attention, qui va-t-on affronter? Oula, c'était pas prévu ça, hein. Une goule baveuse. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Et critique 6, mais calmez-vous. Oulala là là. Ok. Ça c'est quelque chose d'impie. Est-ce que j'ai quelque chose contre les impies? Non. Bon, écoute, on va tuer des loups. On va tuer des loups. Des dévoreurs fous. Et on a une goule baveuse. Ça a l'air de faire bobo quand même, hein. Je veux pas dire, mais c'est pas fou. Allez, 12 de critique, ça commence bien. Par contre, il y a Michel qui est en train de saigner. Jette crâne. Oula. 9. Mais c'est doucement. Fais pas de la pétanque avec ma gueule. Allez, on commence à découper dans tous les sens. Ça va être bien. Je prédis. Allez, 2 morts. Oh là là, mais c'est. En même temps, les loups ne savent pas lire, c'est vrai. Allez, la charge rageuse. Houdini, non, Ludel. Oula, hurlement. Non. C'est le stress, ça, non? Ouais, un peu stress. Une petite charge encore. Ça fait mal, hein, le vétéran. On le sent tout de suite que c'est pas du tout le même. Les mêmes bails. Qu'est-ce qu'on va faire? L'étreinte du démon. C'est un truc, ça? Non, on va faire ça. Ok, c'était nul. Oh là là, mais on va pas s'en sortir. J'invoque les bolasses. Et de 1. C'est pas mal, il passe au premier rang. Au premier rang, on va le châtier. Et le 12 PV qui passe. Et le tranche. Mais non. Oh mais non, mais voilà. Si aussi je vous dis de faire des trucs mais vous les faites pas, on va pas y arriver, hein. Regarde ça, il est à 41 PV, il est à 14 maintenant, mais ça veut rien dire quoi. Oh, on va pas s'en sortir. 4 PV, et c'est pas fou hein, dis donc. Ouh, mais dis donc, oula, 3 dégâts par tour pendant 5 tours. Oh, mais c'est abusé. Mais tuez-le. Mais ça suffit. Ça suffit, on n'en veut plus. Voilà. Ah, on reprend les affaires.
Oh là là. Mais c'est assez, c'est infâme. Et qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là. Il faudra essayer de passer entre les mailles du filet. Alors qui est apte pour déverrouiller ça? Tous 60%. Allez toi. Excellent. Excellent Bernière. Allez go go go. Ah une tombe. Tiens une pelle. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh plein de fric. Oh déjà on est déjà plein. Les autres. Voilà antidote. On va claquer. On va claquer quoi? Non pour 700 pièces d'or. Si on va claquer les jades parce que c'est bof. Et on continue. Allez hop. Qu'est-ce qu'il va avoir comme ennemi encore? Oula, qu'est-ce que c'est? 51 points de vie? Oulala. Mais non, je suis pas d'accord. Bon, on va commencer tout de suite. Si... Oh là là, une protection à 33%, vous êtes sérieux? Mais c'est infect! Oh là là, il y a l'autre Bernière qui est en train de mourir dans son caca. On va pas y arriver. Hein. Allez, si, on va y arriver. Il est en train de mourir. On va trancher les 11 points de vie. Ouh, bien. Frappe baveuse. Non. Oh, yeah. Ça, c'est bien, ça. Moi, j'aime bien. Allez. Soigneux de joie. 11 PV. Alors, c'est vrai que avec lui, le soin, c'est plutôt EP. 8 PV. Bon, allez. Allez, Rivière, fais des choses. Écoute, je préfère le finir. Comme ça, c'est fait. Ça fait une attaque de moins, toujours. On tranche dans le tas. Grosse bave. Oh, oh là là, oh 18. Oh, mais de l'abus quoi. L'abus. Non, Bernière, ne meurs pas. Non, si tu gênes. Non. Ça va, il agonise. Et il en fait popper un autre. D'accord, ok. C'est génial. Oh là, en plus 4 PV. Mais à un moment donné, il faut soigner les gens là. N'importe quoi. Allez. Parti, un petit châtiment. Mais non, mais châtie plus que ça. Voilà. Ça, c'est fait. Grand cadavre. 4 PV, il va encore continuer à agoniser. Bernière est mal au point. Allez. Un tir de sniper. Voilà. Putain, il faut vraiment qu'on s'en sorte. Hein. Sinon, c'est vraiment la lose. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Oh mais non, oh là là, c'est abusé. Ça va durer des milliards d'années. Hein. Bon, écoute. Écoute. On va pas s'en sortir. Ouh, critique à 40 points de vie. Mais si ça, c'est pas beau. D'accord. En fait, on va avoir une technique, ça va être de supprimer les cadavres. Si on arrive à faire ça, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Voilà. Ça en fait déjà deux de moins. Est-ce qu'on peut l'étourdir? 95%, ça va pas du tout passer. Ça va pas du tout passer. Mieux vaut taper dedans. Comme on dit. Il fait quoi lui? Non, ça va. Mais non, mais j'ai mis ce clic. Oh, c'est pas vrai. Allez, go, 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 on défonce. Ça bave. Allez, si là on peut. Regarde, non, ah on peut soigner, c'est mieux peut-être. C'est mieux de soigner Billy. 12 PV, ça va. Alors le châtiment. Oh, le 9 PV. Mange, mais mange ma grosse épée. Voilà. Là on s'entend mieux. Ça va être infinisant hein. Ce donjon va être infinisant. On va supprimer la torche pour récupérer un petit peu de bordel. On va supprimer ça parce que ça vaut rien. Et ça parce que ça vaut rien. Voilà. Ok. On a fait juste deux salles. Deux salles, on s'en est mangé mais plein la bouche. Ça va être juste infâme. Est-ce que tu sens genre cette râpe qui est en train de te caresser la peau quoi? C'est... Oh! On va saigner des yeux. Ça va être bien. Allez, une petite torche. Bon, écoute, on la craque. Ici, il y a une petite tombe à profaner.
Hop. On peut récupérer ça, ça on peut pas. Ouais non, je suis obligé de laisser les blasons. De toute façon les blasons on en a plein. Enfin on en a plein, on en récupère facilement. Du coup ça va. On peut s'en passer un petit peu. Allez. Bon, ça on connaît. Ça c'est classique. Ça ça va. Dégâts contre les horreurs. C'est pas des... Ah si, c'est des horreurs, cool. Bon, les 8 PV, c'est censé avoir fait plus de dégâts. Hein. Je sais pas où on va s'en sortir, mais ça va pas être beau. En plus, il m'empoisonne. Oh l'enfoiré. Tiens, châtiment, 12 PV. Mange ça dans ta bouche, s'il te plaît. Oh là, il me marque en plus. Ça va pas être fou. Hein. Ok. Tir de sniper dans quoi? Dedans. Ah, 6 PV. Ils sont vraiment chiants, ces champis. Hein, parce qu'avec leur protection de taré... C'est vraiment infâme. Plus infectieuse. Oh là là. Le poison dans tous les sens. Ah, regardez-moi ça, c'est censé être des vétérans. Mais JPP. Qu'est-ce qu'on fait? Allez. Un de moins. On va y arriver. Marquez la proie. Non, non, non. Un PV. Il résiste, il résiste. Il est marqué, n'empêche. Il est en train de se fondre littéralement cet homme. 9 PV, châtiment. Ouais mais je préfère... Oh je le finis même pas. Je le finis même pas. Mais c'est quoi cette tricherie? Oh là 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 là. Tir de sniper. Voilà, mange. Je préfère les tuer hein, parce que on sait jamais. Ça fait toujours des attaques au moins et ça c'est à noter. T'as 9 PV quoi l'attaque. Non. Oh le 16 points de vie. Oh, mais c'est infâme. C'est quoi cette attaque? Tiens, mange. Mange dans ton... Mange dans tes dents. C'est quoi ces attaques là à 16 points de vie? Y'a que les boss qui faisaient ça juste avant. Oh là 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 là, mais je m'aime pas, je le... Ah si, je le soigne de 1 PV, mais bon, c'est pas fou. Tire à l'aveugle. Critique à 9, tiens, mange. Putain, mais ça va vraiment pas le faire. Allez, allez, on essaye de le tuer. Rivière agonise. Allez. Cette attaque, c'est pour ton dieu. Tiens. Ouh. Ok. Tiens. Non, on peut pas. C'est que 3 portraits. Oh là là. Bon, écoute. On va lui donner 2 petits sandwichs. Et sandwich. Et normalement c'est bon. J'ai pas d'antidote. Non, j'ai pas d'antidote. C'est con. Tu vas mourir. Alors une petite carte, qu'est-ce qu'on repère? Ah super, un petit combat devant, c'est ce qu'on voulait. Oh là 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 là. Alors, le coffre piégé, bah évidemment. Avec un petit poison de 2 dégâts par 3 tours. 2 dégâts pour 3 tours. Oula, c'est qui elle? Mamie Nova! Qu'est-ce que tu fais? Esquive à 29. Ouh là 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 là. Tiens, déjà, on va soigner Billy. À 21 PV, ça, ça se paye. C'est beau. Un tir de sniper. En toi. Mamie, j'ai aucun respect. Tu vas mourir comme tous les autres. Y a pas de souci. Regarde, même tes clébs, j'en ai rien à foutre. Vas-y, viens. Viens, on se tatane. Comme John. Comme John Statham. Allez. Malédiction de vulnérabilité, mais dis donc mamie, ça marche pas bien. Hein. Mais pourquoi tu joues deux fois? C'est quoi ton délire là de jouer deux fois d'affilée? Je suis pas super d'accord. Hein. Du coup tu vas mourir. Ah c'est con hein. Oh là la charge rageuse. Oh mais 7 de critique. Et en plus tu saignes. Oh mais c'est infâme. Mais on va... Vous êtes perdu. Vous êtes perdu, c'est tout ce que je peux dire. Faut esquiver plus les gens hein, parce qu'on va vraiment pas s'en sortir. Alors déjà, oh là là, on a déjà plus de bandages. Ça va être la catastrophe. Allez, encore. Est-ce qu'il y a un antidote? Non. On a plein de blasons, c'est génial. Sauf que si on n'arrive pas à les ramener, ça va servir à rien. Ici on a une tombe. Ouais écoute, on va creuser.
If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Et là j'en ai pas. On doit explorer 90% des pièces, ça peut le faire. On va aller jusque tout en bas en fait. Jusque tout en bas, on va monter le campement. Là, ça oh là là, mais ça me rappelle les chuchotements dans Colat. Oh là là, mais non. Pas les mauvais souvenirs, s'il vous plaît. J'en ai déjà beaucoup trop qui me poursuivent comme ça la nuit. Ah, ils ont faim. Mangez, écoutez. À tout moment, tu vas voir des traces de feu sur le sol qui vont te poursuivre comme ça. Genre, tu vas te retourner, elle va être là, la créature. Ok, le contenu du sac nous appartient. Oh, mais il y a une clé, les mecs. Il y a une clé. Écoute, on va partager ça équitablement. Et on va garder la clé. On sait jamais. Ici, 60 toujours. On va. Oh, mais non. Oh, en plus, t'es testé. Ouh, la loyauté. Est-ce que ça, c'est pas beau? La loyauté. Qui en demande moins? On ne veut que ça, la loyauté. Alors, ça. Déjà, ça, c'est fait. Ok. Maintenant, on va réduire le stress des gens. Du coup, toi, 15, ça, c'est bon. Attends, 15 encore, parce que t'es vraiment stressé. La tête haute, un compagnon. Retire le malus de mortalité. Je pense que c'est ça, le malus de mortalité. Ça peut être vachement intéressant. Voilà. Comme ça, c'est fait. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui empêche les embuscades? Si, ça empêche les embuscades. Vigile fanatique, excellent. Et là, on repart presque à neuf. Et ça, ça fait du bien. Il reste plein de sang à répandre aujourd'hui. Nous n'avons plus de bois à brûler. Nous devons nous préparer à poursuivre nos efforts jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Exactement. C'est parti. Ce donjon, on le finit. Hein. On le finit. Sur les rotules, s'il faut, mais on le finit. Il n'y a rien à foutre. Oh là là, mais en plus, il y a des gens qui se baladent dans les couloirs. Mourez! Et quand même, je suis un peu déçu de cette attaque. Hein. Au tir de suppression, 6, 7, 8, il fait 8 PV en tout. Coupe étrange. Esquive! Ah! Ah, la coupure! Ouh, le critique à 6! Mais il est sérieux, lui! Au fait, j'aimerais bien attaquer, si c'est possible. Je veux pas vous déranger, hein, mais... voilà, c'est un peu chiant, sinon. Ok. Et de 1. Ça, c'est fait. Et de 1. Et on le frappe dans la bouche, hein. Y a que ça de bon. Voilà, y en a un qui part. Dans un gargouillement de sang et de tripes. L'étreinte du démon! Est-ce que ça l'a. Oui, ça le fait venir, excellent! Enfin, tir de suppression. 6, 7, 8. 8 PV, ça va. Putain, mais regardez-moi les PV. Nos PV qui descendent. Oh là là, mais regardez ça! Ils font des critiques à 16, mais vous voulez que je fasse quoi avec ça? Meurs! Mais meurs dans ton caca, c'est tout! Brrr, va me saouler! Tiens! Mange mon carreau! Et démerde-toi comme ça! Ça, qu'est-ce qu'on fait? Oula, mais non, mais pourquoi je claque une torche? Bon, écoute, on va laisser ça comme ça. On va avancer, on va essayer d'espérer un truc pas trop violent quand même. Non, ça va, y a personne. Alors je pense, normalement, on fait encore une, deux, trois salles, c'est bon. Hein. On a fini la mission. Et quand même, j'espère que ça va bien se passer. Allez, trois salles pour avoir la gloire éternelle d'avoir fait un donjon en vétéran. Moi j'aime bien. Bon, cette fois, Michel, non, toi, tu y vas et tu le désarmes, tu vois. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça, tu cueilles les champignons, tu les manges pas. Sinon ça te pète à la gueule. Champignons terroristes. On n'a pas de pelle, on va pas tenter le diable. Une petite faim. Hop. Ça c'est bon. Allez. Cette salle. Qu'est-ce qu'il y a dans cette salle? On est prêt à tout.
et il n'y a rien. D'accord. Bon, mais ça va. Oh, juste au moment où j'avais besoin d'une pelle, c'est pas grave. Pas grave. Regarde ça. On est frais comme un gardon. Ça, on va pas toucher parce que ça pue. Ça pue la merde. Eh, mais dis donc, y a personne. Est-ce qu'on tente la dernière salle? Allez, on tente. On est fou. Le donjon est à nous. Bonjour. Oh là là, mamie et son mari qui on croise leur chemin comme ça. C'est des belles rencontres de tous les jours. Allez. Oh non, mais il saigne en plus. Il faut pas. Allez, mamie. Laisse-toi mourir. T'y es pas loin. Laisse-toi mourir, s'il te plaît. Tout devient rouge. Non. C'est faux, regarde. Bon, d'accord, tu es mauvais. Qu'est-ce que ça fait, ça? Parce qu'à chaque fois que t'es... Mais arrête! Arrête de te forcer! Oh là là, du critique à 16. Faut essayer de le soigner au plus vite possible. Hein. Vous et ténèbres. Un petit peu de coup moral, ça c'est fait. Allez! Shoot! 13 PV, excellent. Ça c'est bon. Jet crâne. Oh là là, il a tiré. Ah, ça y est, c'est fini. Ah, ça peut étourdir, hein. ça à retenir quand même. Ouh, critique à 20. Dans ton dentier, mamie. Mais ramasse tes dents par terre, s'il te plaît. Tout devient rouge. Non, tranche-le. Mais arrêtez de l'esquiver. Il est une esquive à 14. C'est beaucoup trop. Allez, on soigne. 13 PV encore. On le vit bien. Tout se passe bien. Je vais te craindre. Oh là là. 5 PV. Ça va, on le vit bien. La détermination. Nulden, non! Ouh! Mais regardez-moi ça, ils sont tous les deux inspirés. Un qui est puissant et l'autre qui est loyal. Oh là là, mais ces gens qui. Ils régalent! Ils régalent tellement. C'est la régalade. La régalade, ça se dit pas ça, je crois. Ce mot n'existe pas. Enlevons-le, je retire. Tranché, chou! Tu es fini, Glei. Tu es fini, saloperie! Regarde ça! Oh là, le petit poignard! La petite circoncision! Écoute, on va claquer. Hop, les torches. Bah, finalement, en fait, on n'a pas tant utilisé de torches que ça. Hein. Je sais pas si on en a gagné beaucoup sur la run, mais ça s'est plutôt bien passé. Et la carte nous dit qu'il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. Et donc, on va quitter la quête! Chemin et route permettent d'acheminer soldats et provisions tant qu'ils arrivent sains et saufs. Bon. Bah, c'est une petite run quand même. Ah si, on a gagné pas mal de bordel. Hein. On a gagné 6000 en plus, des portraits et un tambourin lumineux qu'on pourra vendre parce que quand même, ils disent c'est rare mais un dégât de stress. Moins 25 quand la torche est à plus de 75%, ça laisse pas un grand laps de temps. Bon. Oh, regardez ça, on a des niveaux 4. Oh. Oh, il a des crampes d'estomac. D'accord, bon. Sur ses gardes, il gagne des choses cool. Et lui, il a peur des bêtes, fuck. Bon, globalement, ça s'est bien passé. Et on a eu de belles récompenses. Mais dis donc. L'esprit de vos soldats est embourbé dans la perfidie. La peur a pris racine. Les ténèbres s'éveillent, le désespoir et l'indécision semblent flotter dans l'air. Beaucoup d'aventuriers avouent souffrir de troubles du tempérament, et ce malgré la relative sécurité du hameau. Oula, y'a Cthulhu derrière, qu'est-ce qu'il fait? Non. Cthulhu, pars-toi, Cthulhu. Il est pas là? Non, on le voit pas. Ah si, regardez ça en dessous, là. Former un groupe, allez. Non, ça va pas être fou, hein, la prochaine run. Donc en attendant, attendez, je vais regarder combien ça fait de temps qu'on fait la vidéo. Ça fait 20 minutes. On a fait une petite run, c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, pour les dernières minutes, je pense que je vais arrêter la vidéo dans pas longtemps. Je vais juste vous parler un petit peu comme ça, tranquillement. Non, mais qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je vous parle un petit peu. Donc... Je vais vous dire que je suis déjà très content. J'ai réussi à... Donc j'ai pris un autre logiciel de capture qui est vachement plus cool. Qui va permettre aussi donc de faire des streams. C'est OBS, c'est un logiciel connu. Avant j'étais sur Fraps, mais il me causait pas mal de soucis et de bugs. Hein, et c'était pas fou. Et du coup, ça c'est déjà un très bon point.
Ensuite, oh, 2250 pièces d'or, c'est rentable. Bon, on a quand même deux niveaux 4 et ça, ça fait vraiment très très plaisir. J'avoue que là, on est un petit peu saucé. En let's play narratif, je sais toujours pas... Est-ce que ça vous tente encore de faire un let's play narratif sur Total War? Du coup, je vous propose Total War Warhammer. Sinon, on peut tenter un autre type de jeu pour que ça soit pas trop répétitif pour vous. Ça, c'est à vous de me le dire parce que moi, ça me dérange absolument pas de le faire. Hein. Ça me fait très très plaisir. On va mettre le transept à deux. Très bien. Et donc dites-moi si vous voulez un let's play narratif plutôt sur un Total War ou que vous voulez que je change de jeu pour ça. Il n'y a vraiment aucun souci, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Et bah franchement, prestige ou pas? Prestige? Moi je dis prestige quand même hein. Un petit donjon en moyen, ça c'était l'aventure d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans deux jours pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de très gros bisous, et c'est ça. Et n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, l'abonnement. Et surtout, n'oubliez pas, je vous aime, chers viewers. Car si je suis à 145 abonnés aujourd'hui, c'est grâce à vous et je vous en remercie. Allez, zou, et à la prochaine.